Aéroport Saint-Exupéry. Mais les gilets là, ils servent à rien. Mais comment tu... Qu'est-ce que tu... Ah, mais c'est pas possible ça. Ils sont des cons. Mais comment, c'est pas possible ça. Là, franchement, la musique. Ils mettent une petite musique douce. Et là. Quand tu pars avec la musique. Là, t'es con. Le vol, il est moins long que l'attente des valises. On a fait 1h40 de vol et l'attente des valises, bah là, ça fait 2h en fait. Il a sa valise, il a retrouvé sa valise. On va juste arriver à l'hôtel, on mange un truc. On est sur le toit de l'hôtel, regarde la vue mon pote. On n'est pas bien là? Premier jour à Annaba. Je déclare cette séance de beatbox ouverte. J'ai pris quoi? Un peu de zitoun, un peu de miel, luxe plus. On est là, on va se boire un petit café. Manu, petit café? Le mec est au top. Beatbox sirène. On voulait manger au McDo, mais en fait, on a préféré manger ça. C'est pas mieux quand même. Je vous présente Coche. Bonjour. Comment tu fais tes sons là? Raconte-moi un peu déjà. Alors comment je fais les sons en beatbox? Ouais. Pourquoi ici ils mettent des trucs, attention ça glisse. Je vous présente Bertrand, le directeur de l'institut. Bonjour. Merci Bertrand de nous avoir fait venir. Je vous présente Toufik. Toufik, c'est celui qui sait tout faire. Je vous présente Abdelkrim, la star locale, la star nationale. Merci. Je vous présente la belle Shainez. Shainez, qui est à la médiathèque, donc qui s'occupe de tout ce qui est médiathèque. Ok. Salam alaikum. Salam. Date, réussir au centre de la salle.
Ah, ok. Manu, là, il veut monter sur l'échelle, là, pour les lumières. Comment il va faire pour régler les lumières, là? Tu sais, s'il veut, il peut monter sur les... Tu sais, l'échafaudage, là, celui-là, là. Yeah. Mais non, c'est la barre très sensible. Ouais. La barre, on a pas utilisé, comment, depuis longtemps. Ladies and gentlemen. Les balances. Line check. Can't stop. Bon, ça y est. Dans une demi-heure, c'est à moi. Les gens, ils commencent à arriver. J'ai la pression. Regarde, je te montre. Ça y est. Les gens, ils commencent à arriver. Moi, je me prépare. Je m'échauffe. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Je vais tout donner ce soir. Ça va, mec? Ça va et toi? Ouais, vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Pas de défense. On va leur envoyer du bon là ce soir. Ils vont pas regretter d'être venus, hein? Non. Allez. C'est la stratégie. Je vais faire comme ça, regarde. Allez, vas-y, c'est pas grave. Ok, aujourd'hui, Internet et compagnie, j'étais à Annaba en Algérie, un vrai plaisir pour moi. Et je peux te dire que les gens, ils sont magnifiques. Annaba, un maximum de bruit! Merci beaucoup, vous m'avez fait kiffer. À très bientôt, c'était Koch. Ciao. Alors mon pote. Merci frérot. T'as vu l'ambiance, mec? Franchement, ça fait trop plaisir. Au top. Je reviendrai. Qu'est-ce qui est important, Manu? La stratégie. On est sur la terrasse. Petit déjeuner. Hier soir, on a joué. On va passer nos derniers jours. Putain, je dis n'importe quoi. Je suis un peu fatigué. J'ai la voix toute pétée parce que j'ai pas arrêté de faire Manu. Bon, bref. On va passer ce dernier jour, ça va être cool. Ça y est, on est monté dans des cabines, on va visiter les montagnes. Peut-être on va pouvoir faire du ski, on sait pas. Ce qui te fait avoir le vertige, c'est quand tu regardes la cabine et que tu regardes le sol. Et en fait, c'est tes yeux qui font la différence entre les deux. Si tu regardes loin, là-bas, t'auras jamais le vertige. Et non. Le plus important quand on a le vertige, c'est la stratégie. T'as vu le poids qu'il fait? C'est le poisson qui va me manger, c'est lui qui va me manger. Non. Il va manger des testicules de mouton. Ouais, super. Ça, c'est Il est pas frais, mon poisson. Œil pour œil, dent pour dent. C'était super bien, super sympa. Bonne continuation. Championne du monde de la sirène. Alors c'était terrible. C'est extraordinaire, c'est la première fois que je vois ça. Merci madame. J'espère. Génial. Excellent. Vachement cool.
Merci beaucoup en tout cas.